Parfait. Allez, je vous laisse vous placer. On va commencer debout justement pour replacer cette respiration dont je viens de vous parler. Debout, vous allez vous placer face à moi, pied largeur de hanche. On est là. Alors, les genoux sont légèrement déverrouillés, d'accord? On reste bien souple. Relâchez vos épaules et relâchez vos bras, le regard droit devant. Au niveau de la voûte plantaire, je vais vous demander de répartir le poids du corps sous toute la voûte plantaire, c'est-à-dire bien au niveau des talons et bien au niveau aussi des orteils. N'ayez pas tout le poids du corps en arrière sur les talons, mais justement bien réparti d'avant en arrière. Testez ça un petit peu, vous pouvez faire une petite bascule d'avant en arrière pour trouver le juste équilibre, la bonne répartition. Voilà, une fois que c'est fait, les genoux déverrouillés, ici, au niveau du ventre, de la taille du caisson abdo-lombaire, on va placer sa respiration. Ça, c'est très très important, on va prendre son temps. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Et on va resserrer son ventre, rapprocher le nombril de la colonne vertébrale au maximum et le plus longtemps possible. Maintenez ça. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Vous entendez mon expiration un petit peu bruyante? On fait exprès, hein, on en rajoute un petit peu et on creuse son ventre au maximum. Sur la prochaine inspiration, expiration, je vais vous demander de rapprocher vos deux crêtes iliaques, les petits os que vous avez ici de chaque côté du bassin. Vous allez les rapprocher l'un de l'autre, d'accord? Les deux crêtes iliaques, le nombril, la colonne. On a quatre points, on rapproche tout ça au maximum. On y retourne, inspirez. Expirez, et on y va, on contracte, on doit déjà sentir un petit peu cette contraction au niveau de l'abdomen, et encore une fois on inspire, on ouvre ses côtes, à l'expiration je resserre mes côtes, et j'engage ici l'abdomen, allez-y, expirez, expiration, elle vient vraiment du fond de la gorge, c'est ça que vous devez visualiser, comme si vous vouliez mettre de la buée sur un miroir, allez-y, inspirez. Expirez, et on resserre comme un corset au maximum, corset resserré, comme une grosse ceinture que vous avez, vous arrivez bien à visualiser ça, un jean qu'on referme, qu'on zip, tout ça ce sont de bonnes images, et à cette inspiration je vais monter les bras tout haut, au-dessus de la tête, je me grandis, j'expire, et je plonge, enroulez votre tête et allez poser le bout des doigts au sol. Genoux souple, relâchez bien la tête, creusez un petit peu le ventre pour aller chercher plus loin, créer de l'espace. Gardez les genoux souples et déroulez votre dos tout doucement, vertèbre une par une. La tête en dernier, je prends une grande inspiration, je m'étire, j'expire et je plonge. Enroulez votre tête vers l'avant, posez le bout des doigts au sol, même chose, hein. Toujours les genoux souples. Et je déroule. Une dernière fois, j'inspire tout là-haut. Et j'expire, j'ouvre mes bras comme si je voulais toucher un mur de chaque côté. Et je plonge la tête vers l'avant. Je pose le bout des doigts au sol si je peux. Sinon, c'est pas grave. Hein. Et on déroule tout doucement. La tête en dernier. Parfait, relâchez vos épaules. Et on va se placer ici au bout de notre tapis ou au bout de votre serviette. On va commencer un petit peu à travailler de façon plus intense. Je vais prendre une grande inspiration, toujours les pieds largeur de hanche, je m'étire au maximum et je vais fléchir les genoux en direction des orteils, pousser mes hanches vers l'arrière, allonger mon dos, ma colonne et me placer en pose intense. Le regard est plutôt projeté vers le sol, d'accord? Attention, poids du corps au niveau des orteils, au niveau des talons, ça on n'a pas oublié. Et on maintient ça, c'est statique. Et on va commencer à réveiller les muscles du bas du corps justement. Mais n'oubliez pas l'engagement au niveau de l'abdomen. Hein. Ça, c'est tout le long du cours. On reprend une grande inspiration, on monte. Et dans l'expiration, je me replace en pose intense. Je prends mon temps. Vous êtes stable, les appuis sont stables. On est gainé et le regard est fixe. À partir de là, je vais placer mes mains vers le sol. Voilà, très bien. Et vous allez ouvrir les coudes sur les côtés. Les bras sont fléchis. Et là, je vais faire de tout petits pulses en resserrant mes omoplates. Je resserre, je resserre. Et on va réveiller les muscles de posture du haut du dos. On serre
Vous allez sentir petit à petit, ça doit chauffer. Faites attention à la posture, vous contrôlez. C'est ça le pilates, hein. On contrôle, on travaille lentement pour avoir un maximum de bénéfices sur les muscles de posture. On travaille sa stabilité. Allez, encore. Est-ce que ça commence à chauffer un peu? Moi, oui. Moi, je sais que vous m'entendez. Hein. Comme ça, moi, je vous réponds. Allez, encore un tout petit peu. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Relâchez les bras vers le bas. Replacez les bras ici dans le prolongement de la tête. Prenez très fortement appui dans vos pieds et remontez, repoussez le sol. Inspirez. Ouvrez les bras sur les côtés. On reste ici sur les côtés, d'accord? Et vous allez monter le genou le plus proche de moi à hauteur de hanche. Commencez à travailler un petit peu ces équilibres. Prenez votre temps. Et tranquillement, je vais placer mon genou en face de ma hanche. Alors, je dois avoir le centre serré. Le centre, c'est vraiment votre caisson abdo-lombaire gainé. Grande inspiration. Grande expiration. On est stable. Et tout doucement, vous allez twister vers moi. Les hanches restent face. C'est votre poitrine que vous allez ramener vers moi, tranquillement. Voilà, très bien. Si ça tremble, tremble. Si ça bouge, c'est normal. On travaille les muscles stabilisateurs. Cheville, genou, hanche, et on revient. Voilà, parfait. Une fois que c'est là, c'est stable, on monte les bras tout là-haut. Au-dessus de la tête, on se grandit. Et là, je vais resserrer mon ventre très fort pour engager un guerrier 3. Je vais basculer vers l'avant. La jambe monte derrière. Pas trop haut, c'est pas nécessaire. Vous allez bien resserrer vos fessiers, maximum. Gardez les hanches alignées, regardez vers le sol, ventre serré. Et tranquillement, je reviens sans creuser le dos. Ici, genou en face de la hanche, je stabilise. J'inspire. J'expire, je redescends et je repose mon pied. Parfait. On relâche quelques secondes et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Placez vos bras sur les côtés, allongez bien jusqu'au bout des doigts. Et la jambe du fond, de chez vous. Vous décollez le pied, le genou est en face de la hanche. Je stabilise. Ventre serré, hein, ça c'est important. J'inspire, je... Ah non, pardon. C'est là. Twistez vers le fond. Voilà, là je ne dois plus vous voir. La poitrine vers le fond de chez vous. On stabilise un tout petit peu. Prends une grande inspiration. On expire et on revient de face. Tranquillement, prenez votre temps. Voilà, une fois qu'on est revenu de face, les hanches, les épaules alignées, on va prendre une grande inspiration, monter les bras tout là-haut. Je resserre mon ventre, je suis solide et j'engage mon guerrier 3. Prenez votre temps, la jambe monte derrière, regarde vers le sol, j'allonge. Et là, je resserre les fessiers, ça va vous stabiliser. Le pied qui est au sol, il tremble. Je lis. Et c'est comme ça qu'on travaille. On revient tout doucement. Le genou vient se remettre juste en face de la hanche. Prends une grande inspiration. Expirez. Et reposez le pied tranquillement. Parfait. Relâchez un peu vos épaules. Et on va enchaîner un petit peu. On va se rapprocher du sol. Vous allez prendre une grande inspiration. Montez les bras tout en haut, au-dessus de la tête. Expirez en haut de la tête et allez poser le bout des doigts au sol. Les genoux sont souples, même fléchis, d'accord? Et vous allez avancer vos mains pour se placer en planche. Alors, les poignets en dessous des épaules, le ventre bien serré. Je n'ai pas les fesses trop hautes, hein, attention. On a à peu près les épaules alignées aux hanches. Si c'est trop dur, j'ai mon option ici, à genoux, d'accord? N'oubliez pas, hein. Et on va prendre une grande inspiration, grande expiration, et on resserre le ventre, on resserre. Encore une fois, inspirez, expirez,
Pliez vos genoux, petite marche arrière. Je replace mes talons au sol et je déroule tout doucement. Prenez le temps. On inspire. On expire et on y retourne. Je m'enroule. Genou souple. Je pose mes mains au sol et j'avance. Hop, hop, hop. Je me place en planche. Alors, plusieurs options ici. Soit genou, soit jambe tendue. Ou alors, si vous êtes un peu plus confirmé, décollez le pied le plus proche de moi du sol, resserrez vos fessiers. Un cycle de respiration. Je repose. L'autre pied. Je décolle. Je resserre mes fessiers. Et je repose. Fléchissez les genoux. Petite marche arrière sur les mains. Posez les talons au sol et déroulez tout doucement. Et on inspire. Et on expire, on plonge. Allez, dernière fois, posez vos mains et avancez tranquillement. Alors, je vais placer ma planche ici. Et à partir de cette posture, on va se placer en ours. Donc, on va avancer un pied, avancer l'autre. Je n'ai pas les genoux posés, hein. Et je recule. Et on inverse. On part du pied du fond. On avance, genou en dessous de la hanche. J'avance l'autre. Et je recule, je reste bien stable dans mes bras. Je prends une grande inspiration. Expirez. Et je pose les deux genoux au sol. Parfait. Relâche un petit peu les bras, les épaules. Ça a dû chauffer aussi au niveau des bras, hein, c'est normal. À partir de là, je vais me placer à quatre pattes. Alors, la bonne posture ici, c'est d'avoir les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches, d'accord ? Le dos bien droit, j'allonge ma colonne au maximum. Ça, c'est checké pour vous, c'est bon. J'ai bien sûr le ventre engagé. Toujours 30% d'engagement à peu près pendant tout le cours, ok ? Sauf quand je vous demande d'accentuer. La jambe la plus proche de moi, vous allez l'allonger vers l'arrière. Voilà, parfait. Les hanches alignées, fessiers serrés, engagés au maximum. Tout ça, c'est bon ? Contractez vos fessiers et engagez vos épaules. On n'est pas complètement ici vers le bas, on est engagé. Et on va fléchir et tendre cette jambe. Le genou est dans le prolongement de la hanche. Je fléchis et j'allonge tranquillement. Prenez votre temps. Je fléchis et j'allonge. On essaie de ne pas creuser le dos, on fait attention à ça. Encore deux fois. Fléchis et allonge. La dernière fois, je vais rester fléchi. On y va. Je fléchis, je reste. Statique. Allez, courage. On engage bien les fessiers, on engage bien le ventre pour avoir une belle posture. Et à partir de là, je fais 5 petits mouvements, petits et lents, en poussant le talon vers le haut. 3. 4. Et 5. On se replace, on est gainé, on est toujours statique. Et à partir de là, je vais travailler plus le haut du corps. Regardez, je vais engager une petite pompe. Je fléchis les bras, je me rapproche un petit peu du sol. Et je repousse, je souffle. On essaie de garder les coudes bien serrés. J'inspire. Et je souffle. Si c'est trop dur, je descends un peu moins. Hein, d'accord ? Pas de problème avec ça. On travaille les pectoraux, les triceps. Encore deux. Inspirez. Expirez. Une dernière. Allez, on tient bon, on inspire, on expire, on allonge la jambe et on peut reposer le genou au sol et relâcher quelques instants pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on y va, on se place à quatre pattes, même chose, la bonne posture dès le début et je vais allonger la jambe du fond, pied dans le prolongement de la hanche, genou bien en dessous de la hanche ici au sol, ventre serré et on y va, 5 flexions. Je fléchis et j'allonge tranquillement. Vous devez sentir fessier et arrière de cuisse. Fléchis et allonge. Encore 3. Fléchis. Et on contrôle, on contrôle. Encore 2. Très bien. Et la dernière, je vais rester fléchie, rappelez-vous. Et là, hop, je reste fléchie, genou dans le prolongement de la hanche. Je
Pas le genou trop bas. Hein. On est là et on fait 5 poussées de talons vers le plafond. 2. On garde le ventre bien serré. Encore 2. Contractez les fessiers à fond, à fond, à fond. Et je stabilise. Je place bien mes mains en dessous des épaules. On est parti pour nos petites pompes. On y va. Pliez le bras, rapprochez la poitrine du sol. Et remontez, expirez. Inspirez à la descente. Expirez, remontez. Encore 3. Allez, courage. Inspire. Expire, contrôle. Il nous en reste 2. Descendez moins si c'est trop compliqué. On a le choix. C'est la dernière. Inspire. Expire, repousse et replacez le genou au sol. Et on récupère un tout petit peu. Allez, relâchez les bras. On va en faire encore un exercice à 4 pattes, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et on respire bien. On relâche un petit peu les épaules et les bras, les doigts, les poignets. Et on se replace. On est ici, à 4 pattes. Bon, la posture, vous la connaissez, hein, je ne vous répète pas. Le dos bien droit, ça c'est important. Poussez les hanches vers l'arrière. Et vous allez allonger la jambe la plus proche de moi vers l'arrière. Temps. À partir de là, travail de stabilité. Le bras opposé à votre jambe, vous allez l'allonger vers l'avant. D'accord ? Et on prend une grande inspiration. Grande expiration. Et à partir de là, vous allez ouvrir la jambe et le bras sur le côté vers l'extérieur et resserrer dans l'expiration. Revenir dans l'axe. On inspire. Et on expire, on revient dans l'axe. Encore 2. Ouvrez. Expirez. Attention à la posture, on ne la déforme pas. Inspirez. Expirez. On allonge. Et on repose. Exactement la même chose de l'autre côté. La jambe du fond, vous l'allongez. On aligne ses hanches à partir de là. Travail de stabilité. Allongez le bras opposé vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Expirez. Et on travaille sur l'ouverture. J'ouvre. J'inspire. J'expire. Et encore. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps pour exécuter. On va chercher ses muscles profonds. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Allongez. Et relâchez. Parfait. Relâchez les bras. Et cette fois-ci, on va s'allonger sur le ventre complètement. Allez, je vous laisse vous installer. On s'allonge complètement. Voilà. On est là. Et à partir de là, vous allez placer vos mains de chaque côté de la poitrine. D'accord ? Bien collé, bien à plat, bien ancré dans le sol. Vous resserrez vos coudes, vous éloignez les oreilles des épaules. Ça, c'est important, cet attaché allonge ma nuque. Je resserre mes omoplates. Et une fois que tout ça, c'est fait, vous allez engager un petit battement. Deux jambes, plutôt rapide, en engageant les fessiers au maximum. Le battement, il vient de la hanche, il vient pas du genou. D'accord ? C'est pas ça. C'est ça, à partir de la hanche. Plutôt dynamique. Alors votre regard, surtout gardez-le en direction du sol. Ne cassez pas votre nuque. Et pensez à resserrer vos omoplates. On va avoir tendance à relâcher un petit peu le haut. On se concentre sur toute la chaîne postérieure. De la nuque jusqu'au bout des pieds. Allez, inspirez. Expirez. Encore 2 cycles de respiration. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. J'inspire. Contractez vos fessiers davantage. Rajoutez-en. Vous devez les sentir brûler normalement. J'expire. Et je relâche. Très bien. Alors, on va travailler sur un autre exercice qu'on n'a pas fait pour le moment depuis le début. C'est l'iguane. J'aime beaucoup parce que vous allez vraiment sentir le haut du dos s'engager. Donc vous allez placer le bout des doigts de chaque côté ici,
comme en position de pompe. Vous voyez ce que je veux dire? Bout des doigts, c'est pas la main qui est à plat, c'est le bout des doigts. Vous resserrez les fessiers, vous allongez bien la nuque, d'accord, comme je vous ai expliqué. Et à partir de là, je vais pousser sur le bout des doigts, décoller légèrement ma poitrine, pas trop haut, c'est pas nécessaire. Et là, je vais allonger les bras sur les côtés, resserrer mes omoplates, regard vers le sol, je reviens fléchi, je pose mes doigts et je relâche. D'accord ? Allez, on y va ensemble. Repoussez le sol, allongez votre nuque, serrez les fessiers, allongez les bras sur les côtés, inspirez, expirez, je fléchis. Je suis toujours gainée là, je pose le bout des doigts et je relâche tranquillement la poitrine vers le sol. On y retourne. On repousse le sol, décollez la poitrine, allongez les bras sur les côtés, stabilisez, fléchissez vos bras, posez le bout des doigts et relâchez. Allez, on continue ça, chacun son rythme, hein, si vous voulez. Vous devez sentir vos lombaires, muscles du bas du dos, ils sont engagés. Donc n'ayez pas peur, si vous sentez vraiment le bas du dos, c'est normal. C'est ce qu'on cherche à renforcer sur cet exercice. Allongez vos bras, fléchissez et reposez. Encore deux. Je repousse le sol, regarde vers le sol. Par contre, attention, hein, les oreilles bien éloignées des épaules. Je fléchis et une dernière fois. Je décolle, j'allonge, je fléchis et je repose tout doucement. Parfait. Alors, prochain exercice, je vous le montre d'abord parce que vous allez poser le front sur les mains. Vous serez comme ça, d'accord? On va terminer un petit peu sur la chaîne postérieure pour le moment. Vous allez partir pieds collés et tranquillement, vous allez décoller les pieds du sol, effleurer le sol de chaque côté, on ouvre, on redécolle et on ferme. Tranquillement, à votre rythme, d'accord? Et là, je vais vous demander de poser le front sur vos mains. Alors, allez-y. Resserrez les fessiers à fond. On ouvre. Et on effleure le sol, on prend son temps. C'est comme ça que vous allez sentir le travail au maximum. Et on referme. Et on ouvre à nouveau. On effleure le sol. Et on referme tout doucement. Alors, même chose, vous allez sentir, bien sûr, les fessiers, l'arrière des cuisses et les lombaires. Hein. C'est normal. Encore. Contrôlez. Contrôlez. Et on referme tout doucement. Allez, encore un tout petit peu. On tient bon. Trouvez le juste équilibre chez vous entre un travail intense sans déformer votre posture. C'est ça qui est important, d'accord? On contrôle, on a le temps. Donc nos postures doivent être parfaites. Et en même temps, on doit avoir un travail intense. Sentir une brûlure. Contraction musculaire, engagée à fond. Encore deux fois. Et rajoutez de la contraction, resserrez le ventre une dernière fois. J'ouvre. Et je referme. Très bien, vous pouvez relâcher. Posez une main de chaque côté de la poitrine et repoussez le sol à l'aide de vos mains. On va relâcher un petit peu la zone du bas du dos. Hein. Posez ici vos fessiers sur les talons. Ouvrez les genoux. Pose de l'enfant. J'allonge vers l'avant. Le dos et je relâche bien. Les bras vers l'avant. Allez, respirez tranquillement. Ça, normalement, ça va vous faire du bien. Pas trop longtemps. Et on déroule. Repoussez le sol à l'aide de vos mains. Parfait. Allez, placez-vous ici face à moi à genoux. On va travailler un peu plus les obliques. Je suis sûre que vous êtes contents. Alors, genoux bien en dessous des hanches. À partir de là, vous allez ouvrir votre jambe droite sur le côté. D'accord? Vous êtes stable normalement dans cette position. Genoux en dessous de la hanche, pieds posés au sol, cuisses contractées, je suis gainée, hanches alignées face à moi, les épaules aussi. Tout ça, c'est bon. Inspirez, montez les bras tout là-haut. Placez le bout des doigts au niveau des tempes. Ça va aussi? Parfait. Alors, on va inspirer, incliner le buste sur le côté. Restez bien face à moi. Et dans l'expiration, je reviens en position de base. D'accord? Ce fessier-là, il est contracté à fond et vous devez le sentir travailler aussi. J'inspire, je contrôle.
J'expire, je reviens. Je resserre mon ventre, nombril proche de la colonne. Inspirez, inclinez. J'expire, je reviens, je contrôle, pas trop vite. Allez, encore. Inspirez. Expirez. On continue ça. Attention à votre posture. Comme je vous ai dit, on a le temps de contrôler, que tout soit bien exécuté. J'expire. Et encore. Une. Et je vais vous donner une option pour la fin. Un petit peu plus intense. Si vous voulez, bras tendus au-dessus de la tête. Ça rajoute de l'intensité. Hein. Stabilisez. Expirez. Et une dernière. On y va. On inspire. On allonge jusqu'au bout des doigts. On expire. On revient. Et on relâche. Ouvrez. On inverse la posture. C'est la jambe gauche qui est ouverte sur le côté. Hanche, épaule face à moi. Montez vos bras tout là-haut. Prenez une grande inspiration. Placez les bouts des doigts au niveau des tempes. Tout va bien ? Allez, on y va. On incline. Inspirez. Expirez, revenez. Creusez le ventre. On y va. Inspire, incline, contrôle. Expire. Vous devez aussi sentir le bas du dos, hein, c'est normal. Les muscles profonds du bas du dos s'engagent. J'inspire et j'expire. Encore, encore. On prend son temps toujours et on expire. Allez, on continue ça. On a fait un peu plus de la moitié. Contractez vos fessiers pour stabiliser. Allez, encore une et après on engagera l'option plus si on a envie. Et on expire, on revient. Alors si on veut, on allonge les bras là-haut et on y va. On inspire et on expire, on revient. Une dernière fois. J'inspire, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Et j'expire, je reviens et je relâche mes bras le long du corps. Parfait. Refermez vos genoux. Et allongez-vous sur le dos. Alors, on va aller travailler un petit peu plus la cingle abdominale. Gros travail en pilates. On va commencer plus simple. Les jambes fléchies, les pieds posés au sol, pieds largeur des hanches. Ça, c'est bon pour vous. Très bien. Alors, le regard est vers le haut. Vous allez allonger les deux bras ici. Poignées dans le prolongement des épaules. D'accord ? On engage le ventre 30%. On prend une grande inspiration. Et dans l'expiration, je décolle ma tête, mes épaules, j'ai les bouts des doigts qui vont chercher les genoux. Là, engagement 100%. D'accord ? On creuse le ventre au maximum. Rapprochez le nombril du sol. Crétillac, tout ça, on n'a pas oublié. Et on inspire, on replace la tête au sol, les épaules. Et on expire, on décolle. Allez. Et on maintient, on maintient. Le regard est à peu près entre les deux genoux. D'accord ? Et on revient, on inspire. On expire, on décolle. On maintient. On échauffe tranquillement. On va intensifier après. Allez, on repose. Inspirez. Expirez. Maintenez, on joue au maximum, on maintient vraiment jusqu'à la dernière seconde de l'expiration. Et une dernière, j'inspire. J'expire, je décolle. Allez, décollez un peu plus si vous pouvez. Ça dépend aussi hein, de sa souplesse de colonne. On ne peut pas tous décoller à fond. Et on repose la tête au sol tranquillement. Et les bras, cette fois-ci, vont être allongés au sol. Paume de main vers le sol, d'accord ? Vous avez le droit de prendre appui. On va décoller les deux pieds du sol pour se placer en position de chaise inversée. J'ai les genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, d'accord ? Ça, vous devez connaître hein, pour ceux qui sont habitués. Et dès là, vous devez sentir la contraction, d'accord ? Pour avoir les lombaires imprimés dans le sol, je dois avoir le ventre contracté, sinon c'est complètement relâché. Là, je suis engagée et à partir de là, je vais allonger la jambe la plus proche de moi, vous allez l'allonger vers l'avant dans l'inspiration et dans l'expiration, je reviens fléchie et on inverse. Allez, on y va. Chacun à son rythme. On change de jambe. On inspire. Et on expire. Alors, si vous sentez votre dos qui se creuse de trop sur ce mouvement, descendez un petit peu moins, d'accord ? Et resserrez davantage le bas du dos.
tout en sachant que vous pouvez garder votre cambrure naturelle. On travaille avec. Mais il ne faut pas que ça aille au-delà de cette cambrure naturelle, d'accord ? Donc si vous sentez que vous êtes vraiment gêné, on a une dernière option, c'est de taper la pointe de pied au sol et de revenir, d'accord ? N'hésitez pas, en fonction de l'état du jour, de comment vous vous sentez, à choisir ce qui vous convient. On peut très bien allonger la jambe vers l'avant, plus intense. On peut taper la pointe de pied au sol, moins intense. Choisissez ce qui vous convient. Dans tous les cas, on travaille de toute façon et c'est ça qu'on recherche. Inspirez. Expirez. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Allez, dernière fois. Expire. Parfait. On va rester dans cette position de chaise inversée. Vous allez allonger les deux bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration. Cercle sur les côtés et dans l'expiration, je décolle bout des doigts en direction de mes talons un petit peu plus bas, d'accord ? On repose la tête, les épaules, on inspire, les deux bras sont au-dessus de la tête, cercle sur les côtés, expirez et décollez, stabilisez. Et on y retourne, on inspire, on ouvre et on décolle. Si c'est trop dur, j'ai les deux pieds posés au sol, d'accord ? On décharge un petit peu. Décharge l'intensité, ça ne nous empêche pas de décoller les épaules et la tête. Et on y retourne. Et on contrôle. Allez, encore deux fois. Cercle. Et je décolle. La dernière. Et là, j'ai une petite surprise pour vous. C'est un cadeau empoisonné. Reste là. Paume de main vers le sol et on engage la centaine. Battement de bras, ça vient de l'épaule. Ok ? Regard en direction des genoux. Et à peu près 5 battements par inspiration, 5 battements par expiration. Et on contrôle. Comme si vous vouliez presser quelque chose contre le sol. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, une dernière fois, inspirez, expire, creusez, resserrez les côtes, creusez le ventre, et on relâche, parfait, posez la tête, main sur les genoux, je me berce un tout petit peu pour relâcher, pour récupérer. Alors la suite, on va garder la tête posée au sol, d'accord, bras le long du corps. On est là en chaise inversée. Alors, c'est un exercice peut-être un petit peu plus intense. Je vous montre. Les deux jambes sont allongées plutôt vers le haut. Si c'est un peu fléchi, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Et on va faire un mouvement de ciseaux. J'inspire. J'expire. Et je change. J'inspire. Et j'expire. D'accord ? Allez-y. Alors, chacun son rythme. Plus je descends bas, plus c'est difficile. Et comme d'habitude, on essaie de pas laisser le dos, de ne pas laisser le dos se creuser. L'option plus facile, elle est là. Jambes fléchies. D'accord ? Fléchies, je tape la pointe de pied au sol et je remonte. Si je suis à l'aise, je suis jambes tendues. Alors, si c'est pas complètement tendu, comme je vous ai dit, c'est pas bien grave. Mais on contrôle. On expire sur le retour. On inspire. Et on expire. Ne vous crispez pas, d'accord ? Même si c'est difficile, c'est normal. On essaie d'avoir toujours cette respiration fluide qui nous permet de travailler avec efficacité. Allez, on continue tranquillement. Parfait. Allez, encore deux fois à droite, deux fois à gauche, on aura fini. Au travail, on doit vraiment sentir en profondeur ce qui se passe là. Dernière fois de chaque côté, inspirez, expirez, dernière fois. Parfait, fléchissez les jambes et relâchez un tout petit peu le dos. Alors, vous allez garder les voûtes plantaires collées. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur, les deux, d'accord ? Et à partir de là,
tranquillement, toujours à la contraction abdominale 30%, je vais aller poser mes bouts de pied au sol dans l'inspiration. Et dans l'expiration, je reviens tranquillement. D'accord ? Alors cet exercice va forcément vous faire creuser le bas du dos, c'est normal. Mais moi, pour tout bien contrôler, je suis verrouillée à fond. Là, je contracte et j'expire et je reviens tranquillement. D'accord ? Allez, on y va. On pose le bout des orteils, hein. On effleure, on ne s'écrase pas au sol. On revient. Toujours tout le contrôle, hein. Le pilote, c'est ça. J'ai le droit de faire moins de répétitions. Par contre, j'ai le droit que de bien exécuter. On inspire. Et on expire. Cet exercice, vous devez vraiment sentir que ça travaille jusqu'en bas du ventre, au niveau du pubis. Il y a tout qui s'engage. Le périnée, vous le resserrez au maximum. Inspirez le nombril vers le sol, au max, au max. On inspire. Et on expire. Encore deux fois. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. La mâchoire est desserrée. Hein. Vraiment desserrée. Crispez pas. Et on expire, on revient. Refermez vos genoux et relâchez un petit peu. Si vous avez senti vos adducteurs, c'est normal. Muscles à l'intérieur des cuisses, ça c'est complètement anormal. On se replace en position de chaise inversée. Genoux au-dessus des hanches ici, la tête bien posée. Tibia parallèle au sol. Là, je suis engagée. Vous allez allonger la jambe la plus proche de moi vers l'avant. Et cette fois-ci, j'inspire, j'ouvre sur le côté. J'expire, je reviens et je referme. Ok ? Un petit peu plus intense. On change de jambe. On allonge. On ouvre, on contrôle. On expire, on revient dans l'axe et on fléchit. Alors, même chose. Si c'est trop dur, j'ai les pieds posés au sol. J'allonge la jambe devant. J'ouvre, je referme et je repose. D'accord ? Choisissez votre option. Et on travaille. Tranquillement. Alors, quand vous allez ouvrir la jambe sur le côté, faites bien attention que les hanches ne se décollent pas du sol. D'accord ? Le contrôle, il est là. J'ai pas la hanche qui se décolle là. Je reste bien posée au sol. Je reviens, je fléchis. Et on inverse. Ah, vous devez le sentir, hein ? En bas du ventre, là, ça travaille. Expirez. Et on change. Expire. Inspire, allonge. Expire. Et referme. Allez, courage, encore un tout petit peu. Contrôlez bien. Une dernière fois de chaque côté. Resserrez le ventre. Si vous commencez à fatiguer un petit peu, c'est là qu'il faut qu'on contrôle au maximum et qu'on corrige sa posture. Dernière fois, jambes du fond. Expire et reviens fléchi. Posez les mains sur les genoux, relâchez le bas du dos et on récupère. Très bien. Vous pouvez masser un petit peu à droite à gauche en vous berçant. Ça fait du bien. Allez, très bien. On va poser les deux pieds au sol. On va repartir un petit peu sur les fessiers. On reviendra sur les abdos à la fin. Et on aura fait une bonne séance. Pied largeur de hanche, ok ? Allez, tête posée au sol, regard vers le haut, bras posés. Et à partir de là, vous allez pousser dans toute la voûte plantaire et décoller les hanches du sol. On décolle le bridge. Alors, l'amplitude, ça dépend de votre souplesse. Il y a des gens qui vont pouvoir décoller très haut, d'autres moins. Ça dépend de la souplesse de la colonne. Ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est d'être là-haut et de contracter ses fessiers à fond. D'accord ? On redescend, on inspire. Et on expire, on remonte, on contracte ses fessiers avant, on contrôle. Et on redescend, on inspire sans poser les hanches au sol. Et on remonte, on expire, on contrôle et on contracte au maximum. Hanches bien alignées. Et on redescend tranquillement, sans poser au sol. Et on remonte. Expirez, maintenez, maintenez. Contractez également l'abdomen. On redescend tranquillement. Alors, si vous contractez à fond les fessiers là-dessus, là, vous devez vraiment sentir
du travail au niveau des fessiers et on redescend. Alors, je vais vous donner une option plus dure, c'est de décoller un pied du sol à chaque répétition, gardant la jambe fléchie ici. Je redescends, je repose et j'inverse l'autre pied. D'accord ? Vous pouvez travailler comme ça. Et je repose tout doucement. Je repose le pied et je change. Et je repose du contrôle. Prenez le temps et remontez. Et on redescend. Une dernière fois de chaque côté. Je monte, je garde les hanches alignées et je redescends. Allez, dernière fois. Je repose les deux pieds au sol pour tout le monde. Et là, je vais travailler sur la moitié supérieure. C'est-à-dire que je redescends à moitié, je remonte tout de suite. D'accord ? Moitié, je remonte. Moitié, je remonte. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je contracte. Ça, si c'est bien exécuté, vous devez vraiment commencer à sentir vos fessiers. Hein. Allez, encore un tout petit peu. Inspirez. Expirez, remontez. Maintenez. On redescend. Moitié. Hein, et remonte. Moitié. Et remonte. Contractez à fond, à fond, à fond. Jouez le jeu, je vous fais confiance. Hein. Encore deux. Encore deux. Et on monte, contracte, contracte. Et la dernière, j'inspire. J'expire, je maintiens. Et je reste, je reste, je reste. Je pousse les hanches vers le haut. Je contracte mes fessiers. Je contracte mon ventre. Je tiens encore un tout petit peu, encore, encore, encore. Et je relâche tout doucement. Posez les hanches au sol et remontez les deux genoux sur la poitrine ici. On relâche à nouveau le bas du dos. Un petit peu les fessiers du coup. Parfait. Alors, on va se replacer ici en position de chaise inversée. Enfin, on connaît ça y est. Le genou en-dessus des hanches, qui vient parallèle au sol. Et la position de départ, on a les deux bras allongés au-dessus de la tête. D'accord ? C'est une combinaison. On va fermer ici en expirant et ouvrir en inspirant, d'accord ? Jambes, bras tendus. On y va. On expire, on ferme. Et on expire, on inspire, pardon, on ouvre. On expire, on ferme. Votre option, elle est là. Quand vous allez ouvrir, de garder les jambes fléchies. On expire, on remonte. On inspire. Et on expire, on referme. Allez, encore. Expirez, creusez le ventre, creusez, creusez, creusez. Maintenez, maintenez, maintenez. Encore, j'inspire. Et j'expire, je décolle. Allez, courage. Celui-ci, il est un petit peu plus intense. Et on expire, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. Encore deux fois. C'est une bonne nouvelle. Et on expire, on décolle. On maintient, on creuse les ventes, on creuse. La dernière fois, j'inspire. J'expire. Mauvaise nouvelle, je reste ici, paume de main face au sol. On est reparti pour la centaine. Allez, courage. Inspirez. Expirez. Si vous êtes très à l'aise, allongez vos jambes vers l'avant, d'accord ? C'est votre option. Plus, plus. Plus, parce que vraiment c'est difficile, c'est pour les confirmer, d'accord ? Bah alors si vous êtes débutant, que vous y arrivez, bah bravo, parce que c'est beaucoup plus intense. Grande inspiration, expirez. Encore une fois, c'est la dernière, j'inspire, poussez vers le sol avec la paume de main, expirez. Et on tient, on tient, on tient, on tient, et on relâche. Parfait, posez la tête. Récupérez un tout petit peu. Allez, dernier exercice. Placez-vous ici, face à moi. On roule sur le côté. Alors, je suis sûre que vous savez ce qui vous attend. Genoux en face des hanches, ok ? Tête posée sur le bras, pliée ou tendue, peu importe, ok ? Main ici, posée en face du nombril à peu près.
Bon appui ferme au sol. À partir de là, je vais décoller mon genou vers le haut sans basculer vers l'arrière en gardant mes hanches alignées, fessiers serrés. D'accord ? Pour l'instant, tout va bien et je vais vous demander d'engager votre abdomen. C'est-à-dire que dès que vous allez contracter, allez-y, vous allez voir, votre posture a changé un petit peu, vous êtes gainé et on n'a pas la colonne vertébrale qui est comme ça en forme de C, mais elle est plutôt bien droite. Ok ? Vous allez allonger la jambe vers moi. Je dois avoir votre voûte plantaire. Et à partir de là, je vais faire de tout petits battements de haut en bas. D'accord ? Petite amplitude. Hein, et ça, ça va vous faire chauffer fessiers. Lentement, tranquillement. On fait 5 cycles de respiration là-dessus. D'accord ? On va dire qu'on en a déjà fait un. Allez, inspirez. Expirez. Allez, pas de crispation. On se décontracte un petit peu, même si ça fait mal. Expirez. Encore 2 cycles. J'inspire. J'expire. Un dernier. Inspirez. Expirez. Et on maintient. On ne relâche pas. Votre jambe, vous allez l'allonger ici dans le prolongement du buste. Ça, c'est bon ? Ok, et à partir de là, la main toujours devant, on va entamer de tout petits cercles. Petits, d'accord ? Et vous allez contracter à fond, à fond, à fond les fessiers. À fond. Attention, je contrôle mon buste, c'est-à-dire que ça gigote pas en haut. Je suis bien tonique, bien gainée, ça bouge pas. Par contre, je dois sentir vraiment mes fessiers s'engager, surtout celui du haut. Allez, expirez. Encore 2 cycles, j'inspire, j'expire. Et le ventre, hein, vous oubliez pas ça. Hein. Une dernière fois, inspirez, expirez. Et on va inverser le sens de rotation. On reste et on inverse. On y va. Allez, courage. Inspirez, expirez. Et encore, j'inspire et j'expire. On continue, on inspire, on expire. Vous devez sentir aussi le haut du fessier là, bas du dos, ça va brûler un petit peu, c'est normal. Dernier cycle de respiration, expirez, parfait, maintenez ça, ne relâchez pas, ne relâchez pas. Vous allez replacer ici, position juste précédente, d'accord ? Et on va reprendre pour 2 cycles de respiration le haut-bas. Inspirez, expirez. Et une dernière fois, j'inspire, j'expire, je fléchis et je repose. Très bien, on a fini pour ce côté. En inverse, allez. Allez, allez, courage, c'est la dernière étape, et après on aura terminé, un petit stretch. Genou en face des hanches, la tête bien posée, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir le bras allongé, la main devant, tout ça c'est bon. Ventre serré, engagé, on décolle ici le genou sans se pencher vers l'arrière, vous allez allonger votre jambe vers moi. Voilà, parfait, et à partir de là, petit battement de haut en bas. En faisant bien attention à sa posture. Inspire. On expire. Encore. Inspirez. Expirez. Encore, encore, courage. Petit mouvement, petite amplitude. Vous devez sentir un peu plus ce fessier parce qu'il a stabilisé de l'autre côté. Donc normalement, il vous fait plus mal, plus rapidement. On dira après si c'était le cas. Inspirez. Expirez, je maintiens. Et je vais placer ma jambe ici dans le prolongement de mon buste. On fait bien attention à ça. Allez, vous connaissez maintenant la suite. Le ventre serré, les petits cercles. On y va. On resserre les fessiers à fond. Et on expire.
mâchoire bien desserrée, hein, pour avoir une bonne respiration en pilate. Toujours la bouche entrouverte. Allez, on contrôle ça tranquillement. Encore deux cycles de respiration. Et un dernier cycle. Oui, par contre, on a inversé le sens. On y va. Allez, inversé. Comme je vous l'ai dit de l'autre côté, j'ai mon buste qui bouge au minimum. Je suis bien gainée, je suis bien solide. Et je sais exactement où ça doit travailler. D'accord ? Fessier. On se focalise là-dessus et on engage. Allez, encore. Inspire. Expire. Et encore, j'inspire. J'expire. Et je maintiens. Je ne relâche pas. Et je vais bien placer ici la jambe 90 degrés du buste. Et on reprend de haut en bas. Deux cycles de respiration. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, je fléchis, je maintiens et je relâche. Très bien. Ben vous savez quoi? Je pense qu'on a mérité quelques étirements. Vous allez vous allonger sur votre dos complètement, tranquillement. Allez, je vous laisse vous placer. Remontez les genoux sur la poitrine ici, mains sur les genoux et je vais me bercer un petit peu à droite, à gauche. Massez le bas du dos. Tranquillement. Et là, la respiration, elle va être un petit peu à votre rythme le plus lent possible, d'accord ? Pour permettre à ces muscles de bien se détendre, bien se relâcher. Parfait. Vous allez allonger les bras au sol de chaque côté et vous allez laisser tomber vos jambes vers moi. Là. Parfait. Le regard reste vers le haut. Ou alors, si vous êtes à l'aise, à l'opposé de vos jambes, de l'autre côté. D'accord ? Dans tous les cas, vous allez laisser votre corps s'alourdir complètement dans le sol. Relâchez. Et on essaie justement de relâcher toutes les tensions musculaires qu'on a mises pendant ce cours ou qui ont été bénéfiques. Hein. Et on remonte les deux genoux au centre tout doucement, l'un après l'autre. On les décale un tout petit peu et on va inverser. Laissez tomber vos jambes vers le fond. Regard vers le haut ou à l'opposé de vos jambes. Et on relâche. Vous devez sentir le bas du dos, hein. Étirer, fessier aussi. Et on remonte les genoux au centre tout doucement. Prenez votre temps. Replacez les mains ici sur les genoux et versez-vous un petit peu à droite, à gauche. Vous allez croiser votre cheville droite sur le genou gauche, ici à l'opposé. Placez une main à l'intérieur des deux cuisses, l'autre à l'extérieur. Posez votre tête. Et essayez de rapprocher tranquillement les genoux de la poitrine sans forcer. Vous devez sentir l'étirement du fessier droit. Surtout qu'on vient juste de le travailler, donc vous devez bien sentir. On inverse, même chose de l'autre côté. Très bien. On décroise, on place les mains derrière les cuisses, gardez les jambes fléchies. Et là, on fait une petite bascule pour venir s'asseoir. Et allongez les jambes devant vous, les pointes de pieds vers le haut, le dos bien droit. On prend une grande inspiration. On monte tout là-haut
et dans l'expiration, j'allonge vers l'avant, j'essaie de toucher mes pointes de pied, je relâche bien la tête. Si c'est trop compliqué, vous êtes assis un petit peu plus haut, la tête bien relâchée vers l'avant, les bras relâchés. On arrondit dans tous les cas. Et on déroule, tout doucement, la tête aussi, relâchez vos épaules, parfait, fléchissez vos jambes et prenez appui au sol, on va prendre le temps pour se remettre debout, hein. On a passé beaucoup de temps au sol, on est tout d'abord accroupi ici, vous allez poser vos mains sur les cuisses, prendre appui sur vos cuisses et dérouler votre dos, vertèbre une par une, la tête en dernier, prendre une grande inspiration. Montez les bras tout là-haut, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et on expire et on enroule. Genoux souple. Bout des doigts posé au sol si c'est possible. Et on déroule à nouveau. Inspirez. On se grandit. Et une dernière fois, j'enroule, j'expire. Je vais poser le bout des doigts au sol, je creuse mon ventre. Je crée de l'espace. Pour aller chercher plus loin, pousser les hanches vers le haut. Gardez les genoux souples et déroulez votre dos tout doucement. La tête, relâchez vos épaules. Très bien. Et je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. Coucou. Voilà, je suis toute décoiffée. J'avais la queue de cheval à l'air. Alors, comment ça va? Coucou, bonjour tout le monde. Bonne pilate, merci pour ce cours. Bah, merci à vous, merci d'être là surtout. Hein. C'est l'essentiel, c'est que vous soyez là. Je vous laisse revenir avec moi pour me donner un petit peu vos ressentis. Merci beaucoup. Merci. Ouais, me donner un petit peu vos ressentis. Comment ça s'est passé? Bien, c'était parfait. Bah, si c'était parfait, je suis super contente. Super commentant, replay les Smith. Ah super Chantal, cool. Ah j'espère que ça va te plaire les Smith Bar. On a fait un petit mix qui était très sympa. Merci Anne, merci Julie. Bon bah tant mieux. Un vrai plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup Brigitte, c'est gentil. Merci Christine. Ça fait du bien, ça ressource. Ouais, merci Sandrine, c'est vrai. Hein. Bah ce qui est super agréable, c'est de travailler. Merci Babette, merci Aurélie. Merci beaucoup. Ça fait du bien de travailler lentement, chacun à son rythme, de bien ressentir chaque mouvement, bien ressentir ses muscles. Ça m'a... Ah bah, je suis super contente, Sophie, si ça t'a fait du bien au dos. On a chaud. Ouais, on a chaud, hein, vous avez vu? Merci maintenant à Bar, hein, à Pascal. Eh oui, bah, replay alors. Hein. Trop bien. Merci Flora. C'est confortable, un peu la flemme. Ah, je regrette pas. Bah, je suis contente. Alors, si j'ai réussi à vous motiver, bah, j'espère qu'on vous verra encore. Sur tous nos lives, si ça vous plaît.